Allez, salut, salut les gars. Voilà, c'est toujours moi, Samas Pita. Et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Donc, si c'est la première fois de voir ma chaîne YouTube, sachez que ici, je donne des informations sur les bourses. Et puis, j'aide aussi à les postuler. Alors, ceux qui n'arrivent pas à postuler à ces bourses-là ou bien qui ont des difficultés, vous pouvez m'écrire inbox. Il y a mon numéro en description. Voilà, ou bien en commentaire. Vous pouvez voir le numéro et puis voilà, essayez de m'écrire WhatsApp. Donc ici comme vous le voyez là, je viens continuer pour la bourse de l'université, la bourse de l'université technique d'Ostrava. Donc ça c'est la bourse de la République tchèque. Alors ceux qui veulent postuler, c'est le moment de le faire parce que bientôt ça sera fermé. Il y a déjà plusieurs facultés qui ferment, donc bientôt ça sera fermé. Donc comme je vous l'ai dit, dans un premier temps, il faut d'abord ceux qui veulent étudier en anglais. Ok, il faut avoir votre certificat en anglais. Maintenant, si vous ne voulez pas étudier en anglais, alors il y a la langue tchèque que vous devez étudier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un premier temps, vous allez d'abord faire une année préparatoire en langue tchèque et ensuite venir étudier votre faculté que vous voulez. Voilà, donc, mais cela ne veut pas dire que vous devez forcément postuler ici sur cette plateforme-là pour l'année préparatoire et c'est tout. Non. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont des difficultés à postuler. C'est pourquoi j'essaie de faire cette vidéo là aujourd'hui pour vous. Ici, si vous venez ici par exemple, même quand vous voulez postuler pour l'année préparatoire, il y aura un message qui va vous dire, même si vous postulez pour l'année préparatoire, choisissez d'abord votre faculté, postulez d'abord dans votre faculté, et lorsque vous allez finir de postuler dans votre faculté, ils sauront que vous voulez postuler pour une langue tchèque, alors ils vont vous diriger pour l'année préparatoire. Vous allez finir l'année préparatoire et ensuite commencer votre faculté. Voilà, donc si vous remarquez bien, vous voyez déjà il y a mon email là et puis il y a mon mot de passe là. C'est parce que j'ai déjà fait une vidéo où je vous ai montré comment est-ce qu'il faut s'enregistrer. D'abord il faut s'enregistrer sur le site avant de pouvoir continuer. Donc si vous venez là par exemple comme ça parmi mes vidéos, vous allez voir que j'ai déjà fait une vidéo qui est là. Vous voyez cette vidéo là, j'ai déjà fait une vidéo où je vous montrais comment est-ce qu'il faut d'abord s'enregistrer avant de pouvoir faire quoi, avant de pouvoir commencer à postuler. Voilà, donc comme vous voyez là, donc ici nous sommes sur la deuxième partie. Donc la deuxième partie qui est le fait de faire quoi, de pouvoir postuler dans une université, dans une faculté et ensuite être éligible avant de faire les cours de langue. Voilà, donc j'espère que vous comprenez comment ça se passe. Ok, donc nous on va aller un peu plus vite. Donc ici je me suis déjà enregistré, donc il me suffit juste de faire un login pour aller sur mon compte. Voilà, ils ont mis quoi, application for preparatory course. Bon, je vais mettre ça comme ça. Donc application demande de cours préparatoire. Au moins on vous dit que avant de faire votre demande de cours préparatoire, au moins une demande d'études doit être dans l'état accepté pour pouvoir postuler un cours préparatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un premier temps, vous devez d'abord, le plus important, c'est d'avoir une demande d'admission dans une faculté d'abord avant de pouvoir faire quoi? Avant de pouvoir faire l'année de langue. Donc nous, ce qu'on va faire, on va essayer d'abord de postuler dans une faculté et essayer d'avoir, donc comme vous avez vu là, ici, vous venez vous créer une nouvelle application. Et là, vous choisissez ce que vous voulez. Si moi je veux faire par exemple économie, je choisis économie. Si je veux faire facture de génie de sécurité, je choisis ça. Donc, je vais choisir ici génie civil. Voilà. Et génie civil, si je veux faire la licence par exemple, ici, domaine d'études, j'ai mis célibataire, mais c'est licence. Comme c'est pas en anglais, je vais mettre en anglais. Vous allez voir que ça sort bachelor. Donc, ici, je vais changer un peu rapidement. Je vais mettre ça en anglais pour que ça puisse mieux être présenté, pour que vous puissiez au moins comprendre. Vous voyez là, ça sort bachelor et ça c'est le master, ça c'est le doctorat. Donc si je prends bachelor ici, ça c'est la licence bachelor. Donc il y aura l'année d'enseignement. Vous voyez, il y a deux éléments. Ceux qui ont les certificats, vous pouvez prendre ça. Vous voyez, même quand vous prenez ça, il n'y a pas de pour la licence. Si possible, prenez pour le master par exemple, ou bien doctorat, voyons voir. Vous voyez que doctorat, il y a des cours qui sont enseignés en anglais, mais master pour cette faculté là, bien sûr, pour cette faculté là, master et bachelor pour civil engineering, vous voyez que il n'y a pas d'enseignement en anglais. Donc
ça veut dire que vous avez forcément fait le cours de langue avant de pouvoir postuler à cette demande-là. J'espère que vous comprenez. Voilà, donc, moi, je vais choisir peut-être architecture construction ici. Si vous voyez bien ça en check. Et puis, la date limite, ici, c'est le 31. La date limite, c'est aujourd'hui. Vous comprenez? Ici, c'est aujourd'hui. Pour cette date limite, c'est aujourd'hui. Mais si vous prenez peut-être une autre faculté, vous allez voir que la date limite va ici, va changer. Si je prenais par exemple pour doctorat, voyons voir. Vous voyez ici, la date limite c'est quand? C'est le 30-11e mois, le 30 novembre 2022. Le 30 novembre 2022. Voilà, donc je vais choisir bachelor. Au moins, vous savez de quoi je suis en train de parler. Vous pouvez changer votre faculté, vous allez voir qu'il y aura la date là qui va changer. Chaque faculté a sa date, à sa date limite. Donc, moi, je choisis quoi? Architecture et construction ici. Donc, si je choisis architecture et construction, je dois d'abord remplir mes personal data, adresse, secondary school. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais la licence, je dois avoir mes documents de baccalauréat. Ici, previous, university, attachment, je dois mes documents dessus. Et puis voilà, le summary ici. Voilà, donc, dans un premier temps, c'est que vous devez savoir, tant que je n'ai pas encore rempli, je ne pourrai pas avancer. Donc, je serai obligé de remplir ici. Donc, si ici, ici, il met citizen, not, non, je vais mettre en français pour qu'on puisse se retrouver tous. Voilà. Donc, citoyen, citoyen réfugié, citoyen non connu ou non identifié. Donc, vous mettez citoyen ici. Et votre citoyenneté, vous mettez peut-être Côte d'Ivoire. Si moi, je viens de la Côte d'Ivoire, je mets ici Côte d'Ivoire. Voilà, je mets République de Côte d'Ivoire, je mets Côte d'Ivoire ici. Et résidence permanente en République tchèque, protection temporaire selon la loi COL. Bon, ça, c'est pas un problème. Ici, diplôme universitaire énuméré avant le. Vous voyez ici, ici c'est un peu côté, donc je n'ai pas bachelor. Ici. Ok, donc votre nom et le nom de famille. Donc si je mets, si je prends le nom, voilà, le prénom, le nom de famille. Ok, donc diplôme d'université est numéré par le nom. Ici c'est en français, donc c'est un peu c'est un peu compliqué, mais vous mettez bachelor. Ok. Et numéro de carte nationale d'identité, numéro date de naissance attribué dans le CSTCHECKMEMORY avant la date de naissance. Ça, si vous mettez ça, ça veut dire que vous l'avez, mais vous n'êtes pas tchèque, donc c'est pas la peine. Donc ici, date de naissance, vous mettez votre date de naissance et vous mettez mal. Donc date de naissance ici, si je vais par exemple pour ça, pour la licence, ça veut dire que je peux être né en 2006 peut-être. Voilà, en 2006, donc ici, je vais choisir 2006, le 4 juillet 2006, par exemple, voilà. N'oubliez pas, il y a toujours le mois, ici, avant le jour. Voilà, donc, ici, le 4 juillet 2006, nom de naissance, ça sera la même chose ici, voilà. Donc, c'est pas la peine de, c'est pas vraiment la peine de mettre, vous pouvez copier ce qui est là, ce qui est ici, vous allez coller ici. Voilà, et lieu de naissance, moi je mets lieu de naissance. Si je mets par exemple, comme c'est Côte d'Ivoire, je vais mettre Abidjan. Ok, et ici, le numéro de mon passeport ou de la carte d'identité. Donc, je vais mettre comme ça un numéro. Voilà, situation de famille. Si vous êtes célibataire, vous êtes célibataire. Ok, donc à partir de là, ça c'est mon adresse mail. Ici, je dois avoir mon numéro de téléphone. Donc plus 225. Ok, si vous voyez bien, on veut inclure l'indicatif téléphonique. Donc chez moi ici, c'est quoi? C'est plus 225. Ok. S'il y a un souci, ils vont vous dire qu'il y a un souci et vous allez rectifier. Le niveau d'éducation le plus élevé au moment de l'inscription à l'université.
transférer forcément ici le baccalauréat, université avec baccalauréat. Ici, terminer l'enseignement secondaire avec certificat de fin d'études. École professionnelle complétée, école professionnelle, collège, donc vous prenez ce qui est là. Si je mets en anglais, vous allez voir que ce qui est là va changer. Si je mets en anglais, université avec baccalauréat, en fait, eux, il y a toujours une confusion entre le bachelor et notre baccalauréat. Si vous prenez cela, ce qui est là, ça veut dire que vous avez déjà la licence. Donc vous serez obligé de prendre ce qui est là. Terminer l'enseignement secondaire. Vous avez fini la terminale. Vous avez maintenant votre certificat de fin d'études. Donc vous prenez cela. Et ça applique à partir de quand ici, école de base, collège, occupation, ménager, université par l'intermédiaire de coopération. Donc ça, c'est l'école de base. Ça applique à partir de l'école de base. Donc ici, j'ai fait l'enregistrement. S'il y a des erreurs, ils vont me faire signe, je vais aller rectifier. Il n'y a pas d'erreur, donc ça veut dire que je peux continuer. Donc ici, le pays, Côte d'Ivoire. Ok, et code postal 1863, la ville Abidjan. Je vais prendre ce qui est là pour voir ce que ça donne. Voilà, ici il y a Abidjan, la rue. Je vais prendre par exemple comme ça, Abidjan. La rue, vous mettez la rue, votre rue ici. Je vais prendre comme ça, Abidjan, Cocody. Ok, s'il n'y a pas de nom de rue, remplissez plutôt le nom du village. Donc, ils vous ont déjà précisé là, donc si vous ne comprenez pas, s'il n'y a pas le nom de rue, remplissez votre nom du village. Voilà, donc vous devez mettre quelque chose. Le nom du bâtiment, le numéro du bâtiment, non, c'est le bâtiment 4. Ok, donc ici, on dit s'il n'y a pas de numéro du bâtiment, veuillez remplir le numéro 0. Donc vous pouvez mettre ici le numéro 0, ici. Voilà, ça ne change rien, ça ne fait rien. Entrez votre adresse de contact. Donc, l'adresse de contact indiquée sera utilisée comme adresse de correspondance. Donc, vous pouvez cliquer là pour pouvoir remplir votre adresse de contact. Ici, vous allez remplir les éléments d'une personne à contacter en cas d'urgence. Voilà, tout ce qui est là. Mais moi, comme je suis en train de vous montrer un peu comment ça se passe, alors je ne vais pas m'attarder dessus. Donc, on va continuer un peu rapidement parce qu'il y a encore école secondaire, il y a l'université, il y a ce qu'elle a après le résumé. Voilà, donc je vais continuer rapidement. Donc j'enregistre et puis je passe. Donc ici, il y a école secondaire. Donc le pays, vous mettez Côte d'Ivoire. Je vais mettre Côte d'Ivoire ici. Ici, type d'école secondaire. Je vais mettre quoi? Lycée. Voilà, vous pouvez mettre. Si vous avez votre diplôme à l'école technique, vous mettez école technique. Voilà, mais moi je vais mettre lycée ici. Et année d'obtention du diplôme, vous mettez. Donc, si moi je passe là, je mets un record de voix ici. Je prends le lycée qui est là. Année d'obtention, si je viens pour cette année, je vais mettre comme ça 2021. Voilà. Donc, ici par exemple, comme ça, si vous voulez remplir ce qui est là, n'oubliez pas que les notes chez eux là-bas vont de 1 à 5. Voilà, donc pour ceux qui ont 2 de moyenne, parce que ici je vais mettre en français comme ça, on va tous comprendre. Ok, donc comme je disais ici, par exemple comme ça, la moyenne de toutes les notes du deuxième semestre de l'avant-dernière année de votre école secondaire. Ici, les moyennes vont de 1 à 5. Voilà, donc si par exemple comme ça, vous avez une moyenne qui est compris entre 0 jusqu'à 9, alors si c'est 0 jusqu'à peut-être 5, alors ça veut dire que vous avez 1 sur 5. Si c'est 5 jusqu'à 9, alors c'est 2. Voilà, maintenant une fois que vous partez de 10 jusqu'à de 10 jusqu'à 13 ou bien 14, ça fait 3, et de 15 par exemple comme ça jusqu'à 18. Voilà, de 15 jusqu'à 18, ça fait 4. Et de 19 à 20, c'est 5 sur 5. Vous comprenez? Donc, ici, par exemple, comme ça, si moi j'ai 12 de moyenne, voilà. Si
j'obtiens 12 de moyenne, je peux mettre par exemple ici 3 ou bien 4. Donc, si c'est 15 de moyenne, je vais mettre 4 ici, c'est 4 sur 5, alors j'enregistre et puis j'avance. Vous comprenez? Voilà, donc n'oubliez pas, c'est très important. Aperçu des étudiants dans l'établissement supérieur, ici, primaire, université, ok. Ici, si je prends, si je clique sur le prochain, voyons voir ce qu'on me propose. Ici, les pièces jointes au formulaire de demande. Veuillez télécharger les pièces jointes selon les exigences de la faculté. Taille maximale 5 mégas. Donc, votre dossier, votre document doit avoir 5 mégas au télétaille. Vous ne pouvez télécharger ce type que les éléments qui sont là. Ok. Vous pourrez télécharger les pièces jointes même après avoir soumis la demande. Le délai pour les différents types de liens. Ok. Donc, on avance rapidement. Donc, ici, on vous demande de télécharger votre pièce jointe ne peut être téléchargée que jusqu'au 31 août. Donc ici, vous avez jusqu'au 31 août pour pouvoir mettre votre dossier en ligne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus important pour vous, c'est de vous enregistrer dans cette université-là, parce que une fois que vous vous enregistrez, vous allez avoir encore un mois pour pouvoir télécharger votre document. Donc vous allez venir, vous cliquez sur télécharger, ça va dans votre... vous cliquez ici. Ça va aller dans votre ordinateur et vous allez choisir le dossier. Ici aussi, c'est la même chose. Voilà. Et là aussi, c'est la même chose. Donc, nous sommes là. Et une fois que vous finissez là, vous allez atteindre le résumé. Et à partir du résumé maintenant, vous allez pouvoir cliquer sur appliquer ou bien submit pour pouvoir appliquer. Voilà. J'aimerais pas que la vidéo prenne assez de temps. Mais si vous voulez, je vais continuer. Pour ceux qui ont des problèmes, vous pouvez écrire en commentaire. Maintenant, ceux aussi qui veulent qu'on poursuive pour eux, vous pouvez nous contacter inbox. Ça sera vite fait et puis bien fait. Parce que nous avons l'expérience pour ça. Donc les gars, c'était mon examen hospital. Et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe.